cinquième jour à Figueira da Foz, au bord de l'océan. Ça fait du bien. L'air de la mer, tout ça, ça vivifie. Et même un lendemain de soirée très difficile, ça te revigore un homme. Ah, on se sent fort, on se sent vivre. C'était bien mes cours. On se sent fort, tu vois. Par la simple force de tes pieds, tu défonces un château. On parle de qui là? Grâce. Pour nos derniers jours au Portugal, nous sommes à Lisbonne. Et ici à Belém, ce magnifique monastère. C'est beau! Il fait très chaud. Et notre auberge est super cool. On a mangé un truc énorme. Seulement 4 euros. Ah, c'est bien, on se croirait à San Francisco. Pas du tout la destination qu'on a choisie, mais. Avec la petite statue de Rio de Janeiro derrière, est-ce que vous vous sentez un peu dans la ville internationale ici? Oui, c'est ça, c'est multiculturel, Lisbonne, c'est voilà. Ouais, c'est un peu naze en fait. Hein. La Lisbonne pourrait être à Lisbonne, pas pour être ailleurs, mais chacun son trip. Un petit coup de gueule là, je ouais, sens ce genre de cas. Ouais, c'est de la merde, je suis désolé, faut dire ce qu'on pense des fois. Et là, non, je refuse. On a le beau monastère derrière, et là, le truc de Rio et de San Francisco, je veux dire, c'est n'importe quoi. On s'emmerde! Salut! On voit mieux comme ça. Bonjour Michel, vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on est? On est sur une place, à Lisbonne. S'appelle? Je ne sais pas. Praça di Comercio. La Praça di Comercio. Voilà, pourquoi dit Comercio? Je marque vite. Pourquoi dit Comercio? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'on fait du commerce ici, je ne sais pas. Commerce fluvial, parce qu'on a la mer derrière nous. Et voilà. Un petit passage là, c'est assez sympa, une espèce de porte pour les géants, un peu comme nous, voilà. Je pense que ça a été construit pour nous d'ailleurs. Pensons aux grands de ce monde. Voilà, c'est moi. C'est nous. Et avant cela, on a mangé les pastéis des Belém. Ah si. Un prompteur de malade quand même. Débile. Ah, la statue, c'est quand même mieux de devant. Et donc les pastéis des Belém. Bah écoute, on m'avait dit du bien, beaucoup de bien. Bah pour moi, c'est un flan posé sur une espèce de pâte feuilletée. Écoute, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Alors je trouve ça intéressant que les bars soient toujours portes grandes ouvertes avec la musique à fond pour que toute la rue en profite. Ça fait une ville totalement animée, pas juste des petits endroits. Et l'alcool est pas cher. 5 euros le verre de Mojito. En France c'est le double. Un Steven Winkel, vidéo de fin de soirée dans les rues de Lisbonne. Oui. Il est le monde, la foule, l'ambiance, comment ça fait? Beaucoup de monde, beaucoup de monde, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand les portes sont ouvertes dans les bars avec la musique à fond, tout le monde est dehors. Il y avait une foule pas possible, tout le monde sortait.
c'était pas facile de se frayer un chemin, pourtant c'était pas énorme et on a fini par trouver au bout de 3 bars le bon, le bar, il y a ambiance brésiliano, tu vois. Et bon, ça a fini en partouze, alors on s'est tiré, mais c'était bien, voilà. Arrête. Dernier jour au Portugal, à Lisbonne, nous avons un soleil radieux, une vue magnifique sur la ville. Il fait chaud. On n'a pas envie de rentrer. Et je suis On a une super auberge de jeunesse. Et il n'a plus rien à dire. Alors on a un beau point de vue, hein. Super. Bon, moi je pense qu'en fait on va abandonner nos études à Paris. On va s'installer à Lisbonne ou à Coimbra. Nickel, vous nous expliquez où est-ce qu'on est? Sur une tour construite par l'élève de monsieur Eiffel, qui a construit la tour Eiffel. La tour de quoi? L'ascenseur. C'est l'ascensador. Comment on dit en portugais? L'élévador. Ah, c'est l'élévador, c'est ce que j'avais dit à un peu de choses près. L'élévador, voilà, ça coûte 1,50€ pour monter en haut. Mais nous, on a fait une feinte, on est allé sur le mi-haut, tu vois. C'est beau. Il y a un truc anti-suicide, des fois que genre. Sur Jinkel, vos derniers mots de Lisboët. Eh bien, ce belvédère. Je suis triste de devoir partir. J'ai passé une semaine très bonne semaine. Voilà. J'ai pas envie d'être drôle là, vous voyez. C'est difficile. C'est le moment triste. C'est le moment triste. C'est quand même des putains de vacances. Voilà. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. Tout comme Steven Jenkins, je dirais que c'était un voyage assez phénoménal. Muito obrigado, Claire. Muito obrigado. Or kiss the sky.